Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors la femme de Rémi Cabella a posté un message sur Insta pour démentir les propos de Nabil. Elle explique qu'elle n'a jamais couché ni avec Ilan ni avec Julien Berthe. Nabil, lui, de son côté, nous montre que Rémi a unfollow Julien Berthe sur Insta et qu'il a une photo pour prouver que Julien Berthe a bien couché avec sa femme. Je vous laisse avec la vidéo. Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Très rapidement, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant, t'as vu, Julien Berthe, il a fait une vidéo, il a démenti, t'as vu, la femme de Cabella, elle a mis une story, elle a démenti. Alors, je vais vous dire une chose, si je mens, attaquez-moi pour diffamation. Dans ce cas-là, attaquez-moi pour diffamation et on verra bien. Croyez-moi que avec ce que j'ai, on ne peut pas m'attaquer pour diffamation, parce que pour qu'il y ait diffamation, faudrait que ce que je dise ne soit pas vrai. Or, les principaux concernés savent que ce que je dis c'est vrai, à une exception près, c'est que Julien Berthe et la femme de Cabella ne savent pas qu'il y a une photo. Pourquoi? Parce que c'est Ilan qui l'a pris quand tout le monde dormait. Et si je vous explique ce que c'est que la photo, vous allez être choqués sur la tête de ma mère. Néanmoins, en la possession, si je l'envoie à Rémi Cabella, par exemple, il va reconnaître son lit. Pardon, je disais, vous vous doutez bien que le principal concerné va reconnaître son lit. Maintenant, mon but, c'était pas de le mettre lui et sa femme dans une polémique, puisque c'est un joueur de foot, c'est pas un candidat de télé, c'est pas quelqu'un qui est dans le buzz, c'est un sportif. J'ai simplement fait mon taf de blogueur, journaliste 2.0 du net, et ça fait des mois que tout le monde essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe entre Julien et Ilona, et moi, je vous apporte la réponse petit à petit, c'est tout. Ensuite, comme vous pouvez le constater, le premier snap qu'il a mis ce matin, c'est une musique de Jul, mais un passage bien ciblé. Ça me dégoûte, je vois les gens céder. Bref. Et il y en a qui m'ont dit, mais Nabil, ça se trouve, il parle de toi. Alors vous devez savoir que non, je pense pas qu'il parle de moi. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Je devais le rappeler d'ailleurs, mais j'ai eu un coup de fil par la suite qui a énormément tardé. Je le rappellerai sûrement dans la journée. Mais néanmoins, je l'ai eu hier au téléphone. Le simple fait qu'il m'appelle, ça en dit long. Enfin bref. D'ailleurs, hier, je lui ai expliqué qu'une fois que je lui aurais envoyé les preuves que j'ai, si jamais il me dit tu te trompes, c'est pas mon lit, non, c'est pas ce que tu es en train de dire, je ferai un démenti public et je m'excuserai publiquement. Néanmoins, je ne me serais jamais avancé publiquement à dire des choses comme ça si je n'étais pas sûr de moi à 4000%. Enfin, c'est logique. Deuxième point. Après sa première story d'aujourd'hui, ça me dégoûte. Comme vous l'avez vu, j'ai anticipé hier encore avant que je fasse ma story, il suivait Julien Berthe. Et ce matin, il ne le suit plus. L'abonnement, il s'est désabonné dans la nuit comme ça. Non, vous vous doutez bien qu'il s'est désabonné de Julien Berthe. Encore une fois, ce n'est pas pour rien. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais la femme de Cabella, elle a fait un démenti ce matin, elle a mis une story que je vais vous reposter. Vous vous doutez bien qu'elle ne va pas vous dire. Ben, j'ai trompé mon mari ou mon mec avec Ilan et Julien Berthe. Bien sûr que non. Sachant qu'elle est à mille lieues de s'imaginer qu'il y a une photo, parce qu'elle ne s'est pas laissée prendre en photo. C'est Ilan qui a un problème dans sa tête et c'est son habitude de prendre en photo les filles à leur insu, comme avec Ilona ou Giuseppa, et qui a pris une photo quand Julien dormait et quand elle dormait également. Mais bizarrement, avant que j'annonce cette story, la copine de Cabella, Chloé, était abonnée à Julien et à Ilona sur Instagram. Encore une fois, j'ai anticipé, j'ai capturé. Et après ma story, donc depuis ce matin, elle n'est plus abonnée à eux. Attendez, je vous le mets.
Voilà, ça m'étonnerait pas que même Rémi fasse un démenti, parce qu'encore une fois, quand tu es personnage public et que il y a des choses comme ça qui sont dévoilées, je comprends que ça va mettre mal et que on veuille sauver les apparences. Encore une fois, je suis dans une position compliquée parce que à l'époque, les gens ils faisaient des articles Voici, Public et tout, ils faisaient des articles, les gens ils achetaient les magazines. On voyait pas les personnes qui écrivaient les articles derrière. Néanmoins, c'était leur métier. Mais aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, le digital et tout, les blogueurs, ils parlent, on voit leur tête, etc. Donc, on sait à peu près qui ils sont. Donc, c'est une situation compliquée. Néanmoins, mettez-vous dans votre tête que c'est devenu mon métier. Je te fais confiance, quoi. Regarde, si tu veux pas que tout ce que tu me dis, ça, Nabil, tu parles pas, je parlerai pas parce que je pense que j'ai fait assez. Je suis désolé de que tu l'as Non, appris comme ça. moi, ce que juste avant qu'on commence tous les trucs et tout, tu vois, je suis pas dans ces histoires-là. Je les connais et tout. Je connais tous les gens, beaucoup de gens de télé et tout. Moi, je suis pas dans ce délire-là, tu vois. Moi, je suis pas dans ce monde. Je les connais et tout, mais tu vois, les histoires comme ça qui sortent aujourd'hui, tu vois. Et moi, je veux juste savoir vraiment. Dernière chose, après pour les gens qui réfléchissent pas, tant pis pour eux. Je vais vous remettre la capture que Ilan a postée il y a presque 2 semaines, ok? Dernière chose. Pourquoi il a mis ça dans sa story, puis il l'a supprimé? Pourquoi? Il parle de qui? Sachant que je vous ai expliqué, je vous ai démontré que ça fait plus de 3 semaines que Julien et Ilona font tout pour faire virer Ilan du tournage qui commence dans même pas une semaine là, du cross. Donc pourquoi, pour qui et pourquoi il a posté ça? Pour ce que je suis en train de vous dire là. Je me lève le matin et que en fait, j'ai clairement pas envie de coucher avec. Je continue à lui dire que je ne coucherai pas avec et il se masturbe dans le lit à côté de moi pendant que je suis réveillée lors de bon matin. J'étais écœurée. Tu dis qu'il se touchait devant toi, c'est-à-dire c'était un homme qui se masturbait devant toi. Oui, c'est une agression physique et sexuelle. C'est dégueulasse ce qui m'est arrivé. Il en a profité de ma faiblesse. J'étais pas bien, ok? Il a profité de ma faiblesse pour coucher avec moi et m'utiliser.